Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, c'est en votre qualité de président des maires ruraux du département du Var que nous venons à votre rencontre. Le récent rapport Pisani-Ferry préconise un renforcement des métropoles au détriment des zones rurales. Comment réagissez-vous? Quelles pourraient être les conséquences dans le Var? Alors, rien que dans la formulation de votre question, le fait de présenter au détriment du monde rural, il y a déjà une esquisse de réponse, c'est-à-dire qu'on est en train de faire un aménagement du territoire à deux vitesses. C'est ce qu'on craignait, et que le côté privilégié donné aux métropoles, au détriment du monde rural, sera dommageable pour l'ensemble du département, voire de la structure française. Un an après, comment se met en place la loi NOTRe, nouvelle organisation territoriale de la République, en zone rurale? Alors, il y a deux aspects. Il y a l'aspect déjà que la loi NOTRe renforce la sous-représentativité des communes rurales au sein des EPCI, au sein des syndicats, moins de liberté, donc moins bien représenté, bien qu'on ait réussi, grâce aux négociations entre collègues maires, d'avoir une représentativité équitable au sein des bureaux des futurs EPCI. Ça, c'est le premier impact. Le second, qui pourrait être positif, c'est le fait de réfléchir avec un schéma départemental d'accessibilité aux services publics en général. Il est bien qu'il y ait cette réflexion, mais force est de constater qu'en même temps, si on supprime des arrêts de train, à Carnoul notamment, si le facteur guichetier réinvente la queue à la poste, les regroupements de gendarmerie, et j'en oublie, ça se traduit par une erreur à la fois de diagnostic et donc des mauvaises mesures à la sortie. Donc, la loi NOTRe, c'est bien qu'elle ait créé ce schéma départemental d'accessibilité, mais dans un contexte aujourd'hui où il faut revoir l'ensemble du dispositif. Mais comment sortir de l'effet de ciseau entre la baisse des dotations et la hausse des charges liées au transfert? Alors d'abord, pour les dotations, c'est de que les maires ruraux essaient d'obtenir de l'État, puisque la DGF est en train d'être réformée, qu'un habitant d'un milieu rural touche la même somme qu'un habitant du monde urbain. De mémoire, c'est 64 euros pour les premiers et 128 euros pour les seconds. Donc le combat est déjà là. Pour la dotation. Mais aujourd'hui, la dotation diminue, y compris dans les grandes villes, et pour autant, le transfert des responsabilités, le transfert des dossiers, des charges liées au transfert, eux augmentent. Comment un maire d'une petite commune peut s'en sortir? Alors la solution qui lui reste, c'est de transférer, bon gré mal gré, le maximum de compétences à l'EPCI. C'est ce que cherche sans doute le législateur. Par ce biais de transfert de charges, on arrive à stabiliser les charges pour l'avenir. Mais c'est au détriment des compétences des communes. Donc la réponse, c'est, on est coincé entre la baisse des dotations, la nécessité de transférer, pour autant, continuer à donner à nos communes ce que les gens, ce qu'on incarne pour eux. Voilà. Mais ça a une influence directe dans la vie quotidienne, c'est que ça vous demande de diminuer vos investissements. Quel est l'impact de la diminution de l'investissement dans des petites communes? Alors l'impact, il est direct, puisque c'est autant du reste à investir qui nous manque. Pour autant, en parallèle, l'État a su quand même injecter de l'argent au niveau investissement, par le biais de la DETR et par les fonds d'investissement. Pour la DETR, ça nous a permis de faire des investissements, pour autant qu'on arrive à apporter la différence. Par contre, pour les fonds d'investissement, on a été un peu déçus parce qu'ils s'appelaient certes fonds d'investissement locaux, mais ils ont été créés à l'issue des trois comités interministériels sur la ruralité. Donc on avait la faiblesse de penser que ces fonds locaux étaient destinés à la ruralité. Ce qui n'a pas été le cas en 2016, et on espère bien redresser la barre en 2017. Donc pour répondre à votre question, ça affaiblit notre puissance d'investissement. Et on a du mal à capter les sous qu'a mis l'argent, que l'État a mis pour l'investissement. Alors, on voit bien, vous êtes maire d'une commune de 2500 habitants, si je ne me trompe, à Néoul. Vous avez, en fait, au niveau administratif, exactement les mêmes responsabilités que le maire de Paris ou que le maire de Toulon. Pour autant, vous n'avez pas la même structure administrative qui vous permette, des fois, d'instruire simplement les dossiers. N'est-il pas à craindre une diminution dans les prochaines années des gens qui voudraient se porter candidat? Est-ce qu'on est sûr que dans les prochaines années, on aura toujours des candidats pour être maire, par exemple, de Saint-Antonin ou de Ribou ou de Saint-Martin-de-Palier? Vous avez raison d'insister qu'aujourd'hui, un maire
qu'il soit maire d'une grande ville ou d'une petite commune, c'est le maire de la commune, et vis-à-vis de ses administrés, ça reste le maire. Donc il convient de lui donner les mêmes moyens. Alors l'inquiétude que nous avons, c'est effectivement, si on nous retire de l'argent, on aura du mal à les assumer. Et le combat d'aujourd'hui réside au fait que pour une personne, quelle que soit la taille de sa commune, qui franchit le cap de sa mairie, puisse avoir les mêmes services. Même si derrière, il y a une organisation un peu plus compliquée pour les nôtres. C'est-à-dire, je veux le traduire pour les passeports, déjà ça a été recentralisé. Demain, les cartes nationales d'identité. Tout cet aspect-là, il faut que nous veillions à ce que les communes puissent assurer ce service de base pour qu'un maire reste un maire. Mais est-ce que la relève est assurée ? Est-ce que vous sentez dans les jeunes générations la possibilité de se mettre au service de la collectivité ? Moi, je crois. Je crois que oui, on arrivera à trouver, même si on fait tout pour les dissuader, on arrivera à trouver les forces chez les jeunes pour s'occuper de nos communes. Et peut-être que plus elles sont en danger, plus on trouvera des forces pour pouvoir conserver cette démocratie de proximité qui, rappelons-le, est la clé de voûte de la République. Mais autant dire, ça relève plutôt du sacerdoce. Il faut être passionné. Il faut être passionné, c'est du sacerdoce, mais la tâche est exaltante. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup de déceptions. Par exemple, lorsque on est la porte d'entrée pour ceux qui cherchent un emploi, qui cherchent un logement, bien avant les agences immobilières et bien avant pour l'emploi. Quand on arrive à en sauver quelques-uns, je peux vous dire que la joie est immense. Un dernier sujet que je voulais évoquer avec vous ce matin. Où en est le chantier de la couverture Internet dans le Var ? Et dans le Var rural en particulier ? Alors, depuis quelque temps, après que la loi ait fixé les grandes règles, les départements se sont organisés, c'est-à-dire que les opérateurs ont en charge la partie urbaine du département. Pour l'heure, les opérateurs varois sont consacrés au développement des trois agglomérations existantes à l'époque, c'est-à-dire la CAVEM, TPM et la CAD. À charge pour le contribuable, et donc le département qui a pris ça en main sous la forme d'un schéma départemental d'aménagement numérique, le reste du département. Des propositions sont faites actuellement avec des EPCI existantes ou à créer, ça va être la communauté d'agglo Provence-Verte pour nous, et d'étaler les travaux sur une période qui pour l'instant nous paraît trop longue. Par exemple pour ma commune, je crois que je suis prévu pour 2025, et l'aménagement du territoire viendra trop tard, et tous ceux qui veulent s'installer dans notre région, on risque de manquer le train. Quoi. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que, dans le contexte, le département a bien réagi de créer le schéma départemental. Faisons en sorte maintenant de réduire les délais, il faudrait qu'en 2020, on ait équipé le département. Donc, trop de retard à ce jour programmé. Mais, sauf à ce que j'ai mal compris, dans les structures où l'habitat est dense et vertical, les bassins de vie, vous les avez cités, ces trois principaux-là, l'investissement est à la charge des opérateurs, on va les citer, Orange, Bouygues, SFR. Dans le cadre d'un habitat diffus, c'est-à-dire dans le monde rural, là, ce sont les impôts, c'est le conseil départemental qui doit faire les investissements. Mais dans les deux cas, les bénéficiaires, c'est quand même les opérateurs. Ne pensez-vous pas, en tant qu'élu, qu'on est en train de fabriquer une population à deux vitesses ? Alors, le scénario mis en place, vous avez raison, est injuste. Mais on vit dans un monde... Mais c'est un cadre de loi, hein, national. C'est pas le fait du département du Var. Ouais. C'est un cadre de loi au niveau national. Tout à fait. Si on avait imposé aux opérateurs de mettre la DSL ou le numérique de partout, on nous aurait démontré que économiquement c'était pas faisable. Donc dans l'époque où on fabrique des chômeurs, il fallait éviter. Je pense que le législateur a succombé pas au lobby, n'oublions pas que nous sommes un monde capitaliste, que les sociétés doivent équilibrer leur budget, donc elles sont favorables d'équiper l'endroit où il y a de l'argent à faire et défavorables à l'endroit où il n'y en a pas à court terme. Parce que comme vous le soulignez, le jour où les réseaux existeront, les opérateurs viendront exploiter tout ça. Oui, excusez-moi une petite remarque. C'est-à-dire que quand on gagne de l'argent, c'est pour le privé, et quand on en perd, c'est mutualisé. Ah, bien très longtemps que ça marche comme ça dans notre pays. Il y a plein d'exemples, que ce soit dans la médecine, que ce soit dans pas mal de secteurs. Mais c'est très à la mode. Aujourd'hui, on parle même de supprimer l'ISF et d'augmenter la TVA pour tout le monde. Donc c'est tout un système qui est dans ce sens. Oui, mais pour le départ... Il y en a qui appellent ça d'ailleurs les Robin des Bois à l'envers. Oui, oui. Mais ça pose un problème de fond. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes bien d'accord, le très haut débit est le seul vecteur de développement économique. Or, celui-là ne joue pas son rôle complètement dans des bassins qui pourraient
Je pense au pays de Fayence, je pense à Saint-Martin-de-Palière. Ce sont des endroits où un développement économique pourrait venir grâce au très haut débit. Malheureusement, ce développement économique n'aura lieu qu'après 2025 et peut-être même 2030. Si vous faites un parallèle avec notre histoire humaine, ça a toujours été dans ce sens. Il y a 50 ou 60 ans, c'était les routes. Il y a 25 ans, c'était le téléphone. Et aujourd'hui, c'est le numérique. Et je suis à peu près sûr que les routes de Toulon étaient goudronnées bien avant celles de Ribou. Bien, écoutez, monsieur le président des maires ruraux du Var, monsieur le maire, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Merci à vous.